Bonjour, c'est la rentrée littéraire aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau virtuel de la Voix des écrivains et vous remercie également de votre fidélité pour cette émission littéraire que je vous propose chaque trimestre. Mais tout de suite, la séquence Nos invités. Corinne Richard est la lectrice de cette émission, La Voix des écrivains. Mais aujourd'hui, je la reçois en tant qu'invitée. Bien, vous écrivez depuis l'âge de 12 ans. Vous avez découvert le slam en 2012 et participé à des ateliers d'écriture. Vous avez aimé la diversité de chacun et le partage de vos mots. Vous participez également à des scènes de l'association Slam entre vous et nous. Au jardin intérieur d'Evry et la Smala, Slam à Melun, sans oublier, au moulin à café dans le 14e, animé par Univers Slam, ou au Petit Ney dans le 18e du collectif Slam au féminin. Monter sur scène est pour vous une expérience enrichissante qui vous a permis de surmonter la peur des autres. Vous participez depuis plusieurs années au concours des 10 mois, 10 mots, organisé par Univers Slam. L'écriture pour vous est une thérapie qui vous aide à exprimer ce que vous ne pouvez pas dire. Écrire pour vous, c'est ouvrir votre cœur et votre âme. Bien, concernant votre bibliographie, en mars 2019, vous avez publié « J'ai vu le jour se lever dans le RERD » aux éditions du Net. Mai 2020, au bar de ma vie, « The Book Edition », poème publié dans les anthologies suivantes, « Handicap », les éditions du Net, avril 2019, et « Ad vitam aeternam, la production mars 2020. Bien, Jean-Pierre Béchu est professeur de lettres et d'histoire-géographie. Il enseigne actuellement la culture générale à Paris à des étudiants préparant le BTS. Il est membre de la Société des poètes français et écrivains. Il va présenter le livre de Marguerite Chamon. Bien, nous allons parler maintenant de Marguerite Chamon. Elle est sociétaire de la Société des poètes français, dont elle a été la déléguée pour la Seine-et-Marne de 2001 à 2010 et de nouveau depuis novembre 2017, n'a cessé d'œuvrer en faveur de la poésie. Organisation de spectacles, mariant poésie et musique, exposition de peinture, de photographie et de livres. Récital, concours, soutien aux jeunes poètes. Médaille d'or de la Société des poètes français en 2010 et admission à la distinction de membre d'honneur. Ancienne institutrice, directrice de centre de loisirs et professeure de piano. Bien, nous allons voir ses publications. Écrit mon cœur, écrit, c'était sorti en 1998 et suite en étoile. Les poètes français en 2000, Anthologie de la poésie en Seine-et-Marne, les poètes français en 2002. L'important, c'est le cœur. C'était en 2004, avec Jean-Pierre Béchu, trois anthologies de poésie. L'éveil du Myosotis, édition du Net en 2014. Les poètes et le cosmique, édition du Net en 2016. Les poètes, l'eau et le feu, aux éditions du Net et Anthologie de la poésie en Seine-et-Marne et en Val-de-Marne, éditions du Net. Et enfin, en 2020, Une femme parmi des autres. Bien, je vais vous dire que Gigi Love est une sacrée romancière parce que son recueil de nouvelles est bien écrit. On a hâte de le lire. Originaire du Congo-Brazzaville,
Jijilov est passionné de la littérature depuis l'adolescence. C'est en 2006 qu'elle envoya pour la première fois son manuscrit à la maison d'édition Elsevier en France. Le retour favorable d'être édité a stimulé sa passion. Titulaire d'un BTS en secrétariat de direction et d'une licence pro en management, disons des ressources humaines et de la communication. Bien, la bibliographie de Jijilov. Jijilov a dans son actif la guerre du 5 juin 1997 et ses empreintes sur les populations de Brazzaville. C'est un récit. Le Bourbier, ce sont des nouvelles. La traite à l'africaine, un essai. Et les mœurs de chez nous, des nouvelles qui viennent de paraître aux éditions Cécile Langlois ici en France. Voici notre deuxième séquence, le livre de l'auteur. Voici le recueil de poèmes de Corinne Richard. Je rappelle que Corinne Richard est notre lectrice de cette émission. Bonjour Corinne Richard. Vous avez publié un recueil de poèmes tout à fait remarquable. Combien de temps a pris l'écriture de ce recueil? Bonjour Denis Malanda. C'est difficile de répondre à cette question, puisque ce recueil regroupe des poèmes écrits entre 2014 et 2020. Le plus gros travail a été de choisir les textes que je voulais mettre dans ce recueil. Ensuite, de décider dans quel ordre les placer. Cela a pris plusieurs mois avant que je me décide. Parce que je change d'avis ou parce que je viens d'écrire un nouveau texte qui me plaît et que je veux intégrer. Le problème du choix est toujours compliqué, surtout pour moi qui écris plus de 600 textes. J'ai envie de presque tous les publier, qu'ils soient récents ou plus anciens. Parce que chaque poème me parle, il représente pour moi un moment, un souvenir. Écrire pour moi, c'est vivre. Je sais que nous sommes dans l'ère du coronavirus. Comment le poème virus s'est-il imposé à vous? J'écris ce poème au début du confinement, à un moment où la crise sanitaire était au plus fort. La limitation des sorties, ne plus pouvoir voir ses proches, tout ce climat rendait la vie difficile. La peur d'attraper le virus, de le transmettre, la peur de sortir, la peur des autres, la peur de tout. Les pensées moroses arrivent très facilement dans ces moments-là. L'envie d'écrire sur ce que je ressentais était très forte et reflétait l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ce virus dont nous étions la cible, présent, omniprésent, invisible à la porte de nos maisons, faisait naître en moi de l'angoisse. Et quand j'angoisse, il faut que j'extériorise, il faut que j'écrive. Voilà pourquoi j'ai écrit ce poème « Virus ». Parmi tous les poèmes que vous avez écrits, quel est votre coup de cœur? Là encore, choisir est difficile. Tous les textes qui sont dans ce recueil font partie de mes préférés. Mais s'il fallait en choisir un, je dirais que mon coup de cœur serait pour le poème « Mon cœur s'est brisé », même s'il est un peu triste. Je l'écris pour quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Une relation qui a duré peu de temps, mais qui m'a beaucoup apporté, qui m'a aidé à me connaître, qui a fait naître des sensations que je n'avais jamais ressenties. C'est vrai que quand il est parti, mon cœur s'est brisé. Mais j'ai gardé tout le positif de cette relation, ce qui m'a aidé à ne pas sombrer et à continuer ma vie. Bien, on écrit bien sûr pour communiquer à l'autre. On écrit pour être lu. Est-ce que votre écriture est accessible pour vos lecteurs? Oui, je l'espère.
Même si on écrit pour communiquer à l'autre ou pour être lu, ce n'était pas mon cas au départ, je n'écrivais que pour moi. C'est en participant à des ateliers d'écriture et à des scènes slam que je me suis rendu compte que la poésie pouvait se dire et se partager. Découvrir les univers des autres et leur diversité, c'est vraiment magique. Je retrouve dans certains textes des sentiments que j'éprouve, des situations que j'ai connues. Donc oui, je pense que mon écriture est accessible parce qu'elle décrit ce que je ressens, ce que je vis, mes souffrances, mes joies, mes fantasmes aussi. Chacun peut se reconnaître dans la pensée des autres. Certains thèmes peuvent inspirer aussi et donner envie d'écrire. Ça a été le cas pour moi bien des fois. Comment trouvez-vous cette citation « La poésie n'explique pas, mais elle se soupçonne » Corinne Richard. Je la trouve très belle et vraie. Effectivement, la poésie n'explique pas. Elle exprime des ressentis, elle libère, elle ouvre des portes fermées, elle enflamme. La poésie, pour moi, est une façon d'exorciser ce qui est au fond de soi. On peut le faire en écrivant des romans, des chansons ou des nouvelles. Moi, je le fais de façon poétique parce que j'aime cette façon d'écrire. Et j'ai toujours écrit des poèmes. J'en écris depuis que j'ai 12 ans. J'ai eu de longues périodes sans inspiration et sans envie. Et puis, c'est revenu grâce à un atelier d'écriture. Écrire en groupe et partager ce que l'on vient d'écrire était nouveau pour moi. Mes premiers poèmes, personne ne les a vus, ni lus, ni entendus. En atelier, vous écrivez et vous lisez votre texte à la fin de la séance. Et vous entendez ceux des autres, chacun son tour, on dit son texte. C'est très enrichissant. C'est ce qui m'a donné envie de faire des scènes slam et de publier des recueils. Parce que j'aime autant écrire des poèmes qu'en écouter. La poésie, c'est libérateur. Merci Corinne Richard. C'est un recueil de 5 nouvelles où Gigi Love nous raconte les faits de société de la vie quotidienne du Congo-Brazzaville, à savoir foyer infernal, le poids de la tradition à la recherche d'un héritier, noir de cœur, noir de peau, et au-delà des liens. Donc, tradition et mœurs, ils sont mis en relief. Bonjour Gigi Love. D'où vous vient cette passion pour la littérature? Bonjour Denis Malonda. Je dirais, cette passion de la littérature, elle naît d'abord de l'amour de la lecture. J'aimais beaucoup lire. Quand j'étais encore enfant, je me rappelle, à l'âge de 8 à 9 ans, il m'arrivait de prendre les romans photos de mes sœurs, de mes frères. Je m'enfermais dans la chambre pour les lire. On me faisait des reproches. Mais toi, ça, c'est pas à ton âge. Pourquoi tu lis ces romans? Or, moi, j'étais curieuse de savoir ce qui se cachait dans ces romans. Donc, je voulais avoir le message qui était véhiculé dans ces livres. Donc, j'étais là, je lisais tout. Je pouvais voir les journaux. Donc, on me reprochait ça. Moi, je trouvais que c'était peut-être normal. Après, au fur des années, à l'âge adolescent, cet amour s'est transformé en passion. Donc, je ne pouvais pas m'en passer de la lecture, je ne pouvais pas m'en passer des livres. Donc, il arrivait qu'on s'échange avec des amis pendant les vacances. Tu vas emprunter les livres chez les amis, on s'échangeait des livres. Donc, c'était ça, quoi. J'étais là, donc. Je m'en passais pas, je voulais savoir qu'est-ce qui était véhiculé, les messages, les connaissances qui étaient cachées dans les livres. Donc, voilà comment est née cette passion de la littérature. Est-ce que vous avez besoin de la solitude pour écrire? Oui et non. J'ai besoin de la solitude quand je suis dans la rédaction des nouvelles, des romans. Parce que le roman exige l'imagination, donc
Il faut s'isoler pour bien réfléchir, essayer de voir qu'est-ce que tu peux mettre, qu'est-ce que tu peux, quelle scène, quelle action. Donc, tu es dans l'imagination, donc il te faut un peu du calme. Maintenant, pour la rédaction des essais et des récits, souvent je vais chez les gens pour recueillir des témoignages. Donc, je peux noter, je pose des questions. Ça ne me demande pas de réfléchir ou de me cacher. Parce que le récit, un essai sur une réflexion, sur une question de réflexion, j'ai besoin de recueillir des témoignages. Donc je vais auprès des gens, je leur pose des questions, je note. Donc ça ne me demande pas trop d'isolement. L'isolement, c'est dans le cas des nouvelles, des romans. Ça me demande de l'isolement. Sans ça. Donc, la solitude, oui. La solitude, non. C'est ça. Vous nous rappelez que notre littérature est avant tout orale, bien sûr, avant d'être écrite. Est-ce que c'est pour cette raison, avez-vous écrit en français parlé? J'écris en français parlé. Comme tout le monde le sait, la littérature, elle est orale, elle est écrite. J'écris en français parlé pour mieux représenter les scènes, les actions. C'est notre quotidien, ce que nous vivons. Donc, je trouve le jargon qui est approprié dans notre environnement, dans notre société. C'est pourquoi j'écris en français parlé. Même un petit enfant, en lisant mes livres, il va vite se retrouver. Il n'y a pas trop de style, donc c'est vraiment le quotidien, le jargon qu'on utilise. Donc c'est pourquoi j'écris en français, parler pour mieux représenter les scènes. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, comment décrivez-vous ces différents personnages? Exemple dans Foyer infernal, Pena est impulsive, par contre, Coli est réfléchi. Et dans À la recherche d'un héritier, Clovis Matata a un papa qui préfère les garçons aux filles. Et dans Noir de cœur, noir de peau, le mauvais cœur de Monsieur Keba, qui a un comportement insignifiant. Cette question me renvoie au titre même du livre, les mœurs de chez nous. Donc cette question me renvoie au titre du livre. Chaque personnage est décrit par son comportement, son attitude vis-à-vis des autres. Donc, la morale, la pratique du bien ou du mal. Donc, la personne est là, la personne pose des actes. Donc, il ne s'occupe pas de la société ni de l'entourage. Donc, c'est ça les mœurs de chez nous. Chaque personnage est décrit par son attitude. Ce que je voulais savoir, pourquoi Mina voyage seule? Aucun membre de sa famille l'accompagne pour rejoindre son mari. C'est-à-dire dans la nouvelle, dans le poids de la tradition. Mina voyage seule. Mina est une petite fille qui vient d'être forcée dans le mariage. Elle est devant un fait accompli, elle est comme un soldat qui va au front. Donc elle est là, elle n'a pas un mot à dire. Son oncle sait que Mina sera désagréablement surprise, puisque le mari, le fonctionnaire, est trois fois plus âgé que Mina. Donc si Mina a 15 ans, le monsieur a 45 ans, vous voyez, l'oncle est conscient de ça. Donc il se dit, si j'accompagne Mina, ou si la tante, la maman de Mina accompagnait Mina devant, le monsieur Mina pouvait refuser, récidiver. Non, je ne veux pas de ce mariage, faire une crise. Donc on laisse Mina devant son destin. Donc Mina est contrainte de voyager seule. L'oncle avait donné des consignes au mari. Donc Mina va s'habiller pour qu'elle soit reconnue par
son mari. Donc, c'est un peu ça. Elle est devant un fait accompli. Elle est là. C'est difficile pour elle. Donc, on le laisse comme ça. Elle va affronter son destin. C'est ça. Merci, Gigi Love. Voici le livre qui m'a épaté. Je commencerai cet entretien par deux mots. Le premier, bravo. Le deuxième, merci. C'est un récit autobiographique que Marguerite Chamon se raconte. C'est le récit de toute sa vie. Elle nous parle de sa naissance, de son enfance, l'apprentissage de son piano, de la religion, de ses études, du mariage, de la famille, de la guerre, des activités de la Société des poètes français et de sa rencontre avec votre serviteur. Mais compte tenu de l'état de sa santé, je ne peux pas l'interroger. C'est Jean-Pierre Béchu qui va présenter son livre. Allez, bonjour Jean-Pierre Béchu. Pourquoi avez-vous aimé ce livre ? Alors, j'ai aimé ce livre de Marguerite Chamon pour trois raisons. La première raison, c'est que sa vie a été un engagement, un triple engagement, tout d'abord auprès des jeunes, puisqu'elle a été institutrice, puisqu'elle a été directrice également d'un centre de loisirs géré par la SNCF, et elle avait affaire à des jeunes de 4 à 16 ans, mais elle s'est aussi occupée de personnes âgées, auxquelles elle a fait participer à de nombreux spectacles de musique et de danse. Son deuxième engagement, bien sûr, c'est la musique. Elle est professeure de piano. Et son troisième engagement, c'est la poésie, puisqu'elle est membre de la Société des poètes français, dont elle a été la déléguée pour la Seine-et-Marne à partir de 2002. Et elle a fédéré autour d'elle beaucoup de poètes de Seine-et-Marne et organisé de multiples expositions d'art, de peinture, de sculpture, qui étaient agrémentées par des récitals, et elle a fédéré autour d'elle beaucoup de poètes. La deuxième raison, c'est la force avec laquelle on sent, à travers ces lignes, toute l'admiration et tout l'amour qu'elle a porté à ses enfants. Et pour cette raison, son livre est très émouvant. L'amour qu'elle a porté à sa mère, à son frère, à son père, et ces trois personnes-là lui ont véritablement donné une éducation qui a été un trésor moral. Un trésor moral qu'elle a communiqué à ses enfants et qu'elle a partagé également avec son mari pendant 56 ans de mariage. Et la troisième raison, c'est que ce livre est à la fois un récit de vie, mais aussi un livre d'histoire, puisqu'elle y raconte sa vie, sa jeunesse à Ciel-Guillaume, qui est une petite ville de la Sarthe, dans les années 30 et dans les années 40, celle de la guerre, et par conséquent, on y revit le quotidien de la vie en ces époques, celle d'une France encore largement rurale, religieuse, qui n'est plus aujourd'hui. Et il y a dans son ouvrage plein de curiosités. Par exemple, elle reproduit 14 chants qui étaient chantés par les jeunes dans les années 30 et les années 40. Et en ce sens, son livre est un véritable document historique. Et il y a plein de souvenirs. Et notamment, elle se souvient particulièrement bien des cloches de l'église de Ciel-Guillaume. Au pied de cette église, il y avait sa maison natale. Et elle a écrit un poème en la mémoire de ces cloches qui l'ont tellement marquée quand elle était jeune. Et ce poème, elle va vous en donner lecture. Il s'intitule « Les cloches de mon enfance ». Qu'est-ce que ce livre peut apporter au lecteur ? Ce que ce livre peut apporter au lecteur, c'est un certain regard porté sur la vie et je dirais même une véritable philosophie de la vie, que l'on pourrait arrimer à deux points fondamentaux. Le premier, c'est l'amour de la vie et l'amour d'autrui. Et le deuxième, c'est la réalisation de soi. Où peut-on trouver ce livre, Jean-Pierre Béchu ?
Alors on peut trouver ce livre dans toutes les librairies, il suffit de le commander. On peut le trouver sur les sites de vente en ligne d'Internet, notamment les trois principaux, chapitre.com, Amazon, et puis la FNAC. Et enfin, on peut l'acheter chez l'éditeur, qui est le suivant, les éditions du Net, dont l'adresse est 126 rue du Landy à Saint-Ouen. Mais quand Marguerite Chamon a reçu la lettre du Vatican, quel effet cela lui a fait ? Ah, alors là, c'est une grande aventure. Bon, Marguerite Chamon a éprouvé l'envie d'envoyer son livre au Vatican en hommage, en la mémoire de son père et de son frère, parce que l'un et l'autre ont voué toute leur vie à l'Église. Son père était sacristain, il était aussi organiste, il était chantre, et son frère était prêtre. Et donc Marguerite Chamon, en leur mémoire, a envoyé son ouvrage au Vatican, et le pape François lui a répondu, une lettre pleine de sensibilité, une lettre pleine d'émotion, et Marguerite Chamon est évidemment extrêmement sensible à cette lettre. De toutes les étapes de sa vie, quelle est celle qui lui a plus marqué ? Il est difficile de sélectionner une étape de sa vie qui l'a particulièrement marquée. En fait, elles l'ont toutes marquée à des degrés divers. Bon, il y a d'abord sa jeunesse passée dans sa petite ville de Sieur-Guillaume, avec ses années d'études dans une école libre, depuis la maternelle jusqu'au brevet d'enseignement. Il y a ces années 1948-1950, où elle est partie avec son frère, qui était prêtre, faire des tournées en Belgique, en Hollande, en France également, parce que son frère avait fondé deux chorales, et les spectacles qu'il donnait ont fait les éloges de la presse à plusieurs reprises. Il y a également, bien sûr, sa vie de poétesse en Seine-et-Marne, où elle a démultiplié, comme je le disais tout à l'heure, les spectacles, les récitals de poésie. Et puis il y a aussi, pendant la plus longue partie de sa vie, cet immense bonheur qui était le sien, d'avoir des enfants qu'elle a adorés, et de partager 56 ans de bonheur avec son mari Pierre. Merci Jean-Pierre Béchu. Lire à voix haute, c'est le seul moyen d'épouser le texte d'un auteur. Et nous allons passer à notre troisième séquence, le plaisir de lire. Nous allons commencer par Marguerite Chamon, qui va lire son poème intitulé « Les cloches de mon enfance ». En hommage aux cloches de mon enfance, les cloches de Sillé, témoins de ma naissance, ont pour moi, je le clame, une grande importance. Lancées à la volée pour annoncer les joies, toutes trois s'esclaffaient, riaient à pleine voix. Tout au fond du silence, quand venait le malheur, on entendait pleurer le bourdon au grand cœur. Lui seul était chargé d'annoncer les trépas. Oui, mes larmes coulaient lorsque sonnait le glas. Pendant 36 ans, mon père sacristain fut l'ami de Louise et très tôt le matin, il avait rendez-vous au clocher solitaire. Ensemble, ils appelaient les gens à la prière. C'est qu'en ce temps jadis, les cloches ne vibraient qu'au chaleureux contact de ceux qui les aimaient. Ces sonneurs courageux, hélas, ont disparu. Personne n'y peut rien, ce temps est révolu. Mais je verrai toujours cette corde magique animée par les mains d'une âme magnifique. Pour amorcer la cloche, il fallait être expert. Sonner trois fois trois coups,
Qui donc pouvait le faire? Je vois ce pied glisser dans le nœud de la corde, ce premier dur et fort, ces gestes qui concordent, pour arriver enfin à dégager le mi de l'angélus sacré qui rythmait notre vie. Jacqueline et Marie, lancées à la pédale, réclamaient des gens forts. Ce n'était pas sans mal que les sonneurs d'antan faisaient sonner leurs cloches. Oh, comme j'admirais mon père, Henri Filoche. Effacé, passionné, il était pur artiste, avait appris tout seul la musique, et j'insiste sur le fait qu'à l'église, il pouvait tout autant être chantre, organiste et sonner. Quel talent! De plus, à mon grand frère, il a transmis ses dons. Celui-ci, comme lui, était gentil et bon. Au service de tous, il a toujours vécu. Hélas, depuis 20 ans, mon frère Henri n'est plus. Ô cloches de Sillé, vous savez tout l'amour que mon père et ma mère ont eu pour vous toujours. Ils sont partis un soir pour leur dernier voyage. Prenez vos ailes d'or, allez leur rendre hommage. Ainsi qu'à tous les gens qui ont sonné comme eux, le timbre de vos voix les rendront si heureux. Cloches de l'univers, chantez tout à la ronde, gloire aux sonneurs d'antan dont se souvient le monde. Notre équipe s'est bien étoffée avec l'arrivée de Claudia. La lecture est d'abord du plaisir. Claudia va nous lire un extrait du roman de Gigi Love et le poème Virus de Corinne Richard. Foyer infernal de Gigi Love. Le dernier trimestre de l'année, correspondant au mois d'octobre, novembre et décembre, est une période qui se caractérise par de grandes chaleurs qui accompagnent des pluies de grandes averses ou parfois par des pleuvines de longue durée, c'est-à-dire de 4 à 6 heures du temps, voire toute une journée ou toute une nuitée. À 5h30, le soleil est déjà levé. À midi, il est au zénith avec un éclat accablant. Le soir, à 18h, il n'est pas totalement couché, car ses rayons sont encore lumineux. C'est une saison démotivante et désagréable pour ceux qui vont à l'école par contrainte ou à contre-cœur et non par amour d'un avenir meilleur ou par vocation, bonne volonté et enthousiasme. Pena et Colly étaient toutes deux adolescentes. Elles vivaient dans le même quartier et fréquentaient la même école. Elles étaient en classe de 4e à un pas du brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Elles étaient des jolies filles, au teint sombre, avec une chevelure épaisse, ni trop grosse, ni très mince, mais de taille normale. Leur amitié leur donnait une apparence d'être des jumelles. Ne dit-on pas que qui s'assemble se ressemble? Pena et Colette se partageaient tous les secrets, les habits, la nourriture. Deux filles qui s'aimaient vraiment. Un jour, en revenant des cours, sous un soleil accablant de mi-novembre, elles avaient leurs chemises déboutonnées, laissant le torse nu jusqu'au niveau des seins. Leurs sous-vêtements d'en haut, très légers, laissaient voir les dessins de leur soutien-gorge. L'une d'elles tenait le sac qui contenait les cahiers. Personne ne pouvait leur reprocher cet accoutrement sous une telle chaleur. C'était de Gigi Love. Virus de Corinne Richard. Je confine mes idées noires dans le fond du placard. Je ferme tous les tiroirs de mes cafards. Je confine le désespoir dans les jeux de hasard.
Je cherche dans mon couloir des yeux sans regard. Je confine la solitude dans le pot d'un cactus. Je cultive la lassitude dans les fleurs du lotus. Je laisse l'incertitude jouer à la roulette russe. Je vis dans l'inquiétude du coronavirus. Je confine derrière ma porte, de l'aube jusqu'à l'aurore. J'ai les jours qui s'avortent dans un silence sonore. J'ai l'angoisse qui m'emporte dans un monde incolore. Je suis une nature morte dans un sombre décor. Je confine, solitaire, dans mon sanctuaire. Je suis la secrétaire de la chambre mortuaire. Je fais l'inventaire de mon manque d'air. Je suis le cratère de mon estuaire. Je confine, morose, ma prison coffre-fort. J'ai le cœur échymose, ma vie qui s'évapore. Je confine en pause au bout du corridor. J'ai l'épine d'une rose plantée dans le corps. Je confine mon cafard avec mes idées noires. Je ferme les placards, je verrouille les tiroirs. J'efface les cauchemars, je brise les miroirs. Le virus sans son dard, je confine le désespoir. De Corinne Richard. Gigi Love, où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? À la FNAC France, sur Amazon, sur fr.al.fr, africa.com, sur adjaccongo.com, sur les éditions Cécile Longois. Corinne Richard, qu'est-ce que vous avez trouvé de fascinant dans le recueil de nouvelles de Gigi Love? Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce recueil, c'est la similitude entre chaque nouvelle. Il y a une forte domination de l'homme sur la femme et une recherche absolue du bonheur et de trouver un mari ou une femme. Il y a aussi la vitalité des personnages, leur soif de vivre et la très grande amitié qui lie les personnages de même sexe. C'est étonnant aussi la rapidité avec laquelle on passe d'un temps à l'autre, d'une nouvelle à l'autre. Justin Gandoulou, vous avez reçu le recueil de poèmes de Corinne Richard. J'ai envie de vous entendre. J'ai parcouru, chère Lynne Valanda, avec un réel intérêt, le recueil de poèmes de Corinne Richard. Ce qui m'a frappé en regardant son livre, c'est le titre. Le titre... au bar de ma vie. Et sur cette première de couverture, illustrée par un verre, je pense, de liqueur ou de bière, je ne sais pas trop, posé sur une table ou sur un comptoir, on voit souvent, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, ce type d'image. Et en parcourant le livre de Corinne Richard, avant même d'ailleurs de le parcourir, je dois avouer que j'ai immédiatement pensé à une personne lambda, comme on peut en voir dans les bars, perdue dans un coin, assise seule, les yeux rivés sur un objet quelconque, un regard fixe, impassible, structant le film de la vie, image par image. Il nous arrive quelquefois de voir des gens comme ça dans les bars. Une telle image, faute de l'avoir vécue, chacun peut se l'approprier, chacun peut s'y retrouver. Et il se passe des choses à ce moment-là, dans la tête de quelqu'un
qui déroule le film de sa vie. En parcourant ce recueil de poèmes, une fois l'image de la première de couverture tournée, je découvrais page après page un poème en vers ou un poème en prose. Et chacun des poèmes est bien incarné et ne peut laisser tout éventuel lecteur indifférent d'ailleurs. Ici, tout a un sens, d'autant plus que chacun peut s'y retrouver entre bons et mauvais souvenirs, entre bonheur et malheur, entre certitudes et incertitudes, entre amour et désamour, bref, dans tout ce dont la vie est faite. Et ça, Corinne, Richard l'a bien rendu. Ce sont des textes bien pensés et bien rendus aussi en termes d'écriture, dont je salue la dextérité d'ailleurs ici. Donc, je salue Corinne tout en la remerciant de m'avoir envoyé son livre que je garde désormais jalousement dans ma bibliothèque. Son livre « Au bar de ma vie ». Moi, je déclinerai ceci « Au bar de notre vie ».« Au bar de notre vie ». Et je vais ici, pour terminer, dire merci à Corinne de nous avoir fait partager ces moments de réflexion. Ces moments de réflexion lorsque nous sommes devant notre vie, lorsque nous voyons notre vie se dérouler. Avant de terminer notre émission, je vous présente le nouveau livre de Ghislain Joseph Gabiot, journaliste, sorti aux éditions L'Armatan. Vous pouvez le commander chez Amazon, Fnac, L'Armatan, ou aller en librairie, vous allez le trouver facilement. Et je le recevrai dans la prochaine émission. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci pour votre fidélité. Nous allons nous retrouver très prochainement. Mais d'ici là, bonne lecture et surtout, portez le masque.